Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la discipline dans le business, donc de la série Business et spiritualité avec mon ami Paul Pironet. Bonjour Paul. Eh bien bonjour mon cher ami et puis bonjour à toi qui nous écoutes ou à vous qui nous écoutez. Je suis très content que tu sois là encore une fois pour partager ton retour d'expérience par rapport à cette notion de discipline. D'ailleurs, c'est un sujet qui pour moi est intéressant. J'ai instauré, on va parler d'habitudes, de rituels, les objectifs qu'on se fixe, c'est cette notion de discipline. Alors des fois, j'ai l'impression d'être un peu une machine de guerre au niveau de ça. J'étais un peu dans l'extrême d'ailleurs. J'aurais aimé savoir un peu toi, ton retour par rapport à ça et les conseils. Quand on dit discipline, qu'est-ce que tu mets derrière? Et c'est un mot qui peut faire un peu même barbare. Qu'est-ce que toi, tu mets derrière ça et quels conseils tu peux donner? Alors, si on revient sur le mot discipline, ça vient de disciple en fait. C'est cet homme qui va justement à travers des rituels mettre en place donc des actions au quotidien pour progresser dans un domaine particulier. Donc on peut développer de la discipline dans le sport, on peut développer de la discipline dans ses études, on peut développer de la discipline éducative, on peut développer de la discipline dans des organisations professionnelles, hein, des chaînes de montage, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, la discipline, c'est l'identification de process qu'on veut respecter. Et pourquoi on veut respecter ces process? Parce qu'ils garantissent un résultat. Donc être discipliné, c'est accepter de faire des choses qui, sur le coup, ne sont pas forcément très confortables, mais parce qu'elles vont nous rapporter quelque chose évidemment d'important. Et même si au départ, elles ne sont pas très confortables, elles peuvent devenir stimulantes. C'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que la discipline, ce n'est pas forcément associé à quelque chose de dur, de difficile, même si parfois, pour progresser, il y a des jours où ça va bien, on est très stimulé, on est très porté, puis il y a des jours où il faut s'accrocher. Des fois, moi, et c'est là que la discipline, évidemment, va être importante. Et moi, ce que je crois, c'est que notre cerveau, qui est fait de différentes parties, eh bien, il y a des fois, il nous donne envie de rester tranquille sur le canapé, alors qu'on sait très bien qu'on avait développé une discipline, en l'occurrence, l'idée d'aller courir un petit peu tous les jours, etc. Et puis, c'est tellement plus confortable de rester devant Netflix, ou parce qu'on a des amis qui viennent à la maison, ou parce qu'il y a plein de choses qui pourraient se passer. Et du coup, on va perdre cette discipline. Pourquoi? Parce qu'on perd le bénéfice de l'arrivée de on ce perd projet. Cette vision un peu, des fois on se dit cette vision. Pourquoi je fais ça quoi. Et surtout les valeurs qui sont derrière, ouais. Et du coup on va rentrer dans un confort immédiat qui est souvent celui de rester un peu plus cool et de trouver des justifications au fait de ne pas faire ce qu'on avait justement décidé de faire pour atteindre le projet qui nous est donné. Et en quoi donné. C'est bon alors du coup de ce fait de alors en quoi c'est bon la discipline, parce que c'est la garantie absolue de la réussite. Pour toi, absolument. Il faut être discipliné c'est pour clair. Réussir. Si tu veux devenir le numéro un en guitare, il faut bosser. Si tu veux devenir le numéro un en vidéo, il faut bosser. Si tu veux devenir le numéro un en conférence, il faut bosser. Alors après, le numéro un, on s'en fout, hein, c'est une façon de penser. Mais c'est mettre des rituels en place, mettre des habitudes. Oui, c'est tendre vers quelque chose qui t'inspire. Si tu veux demain être meilleur qu'aujourd'hui, sans comparaison avec les autres, il faut cette discipline. Il faut t'arrêter, progresser, obtenir du feedback. Elle est où la limite? À partir de quand c'est trop. Est-ce qu'on peut dire des fois qu'on est trop discipliné ou pas assez discipliné? Alors, c'est pas dans la discipline que la limite se situe, mais dans les conséquences de cette discipline. Si je suis tellement discipliné que tous les jours je me fais mal pour aller progresser, alors c'est clair que si j'ai un marathon très important et que j'ai envie de ça, l'inclinaison de progression que je vais m'instaurer va définir à quel niveau je vais arriver dans 4 mois, dans 5 mois, dans un an. Oui. C'est une affaire d'inclinaison. C'est-à-dire de processus de fonctionnement quotidien. Après, la question, c'est quelle est l'ambition que j'ai? Est-ce que je veux me brûler toute l'année pour réussir à la fin de l'année? Auquel cas, c'est clair que si je veux faire 350 vidéos dans l'année, il faut que je m'y mette. Alors, je peux le faire en 2-3 week-ends, mais ça va demander une discipline massive. Puis après, il ne suffit pas de les tourner, il faut les monter. Puis après, il faut les mettre en place. Puis après, il faut mettre toute l'organisation qui est derrière. Donc, ce n'est pas un projet qui va s'arrêter sur une étape. C'est un ensemble d'étapes. Donc, avoir la discipline d'organiser, de structurer et de faire passer les étapes en sachant que si ça ne marche pas, il faut s'arrêter, corriger, reprendre, etc. Et quand ça va aller mal, quand ça va être compliqué, il y a 1000 raisons que le cerveau va nous amener, par souci de confort, d'arrêter, en fait, d'arrêter de continuer. Et c'est ça la difficulté. Donc la force de quelqu'un qui est discipliné, c'est qu'il va évidemment mettre une énergie constante, souvent plus importante, et pour moi, l'art de la discipline
se touche aussi dans la faculté de faire des petits pas et d'apprendre à célébrer ces petits pas. Comment ça se traduit, toi, cette discipline-là, dans ton business ? Bon, ben, par exemple, très régulièrement, comme j'ai un rayonnement sur les réseaux, c'est très important que je produise du contenu. Donc ça, de faire des vidéos, ça c'est... Par exemple, voilà, avoir la discipline tous les 3-4 mois d'avoir un moment où au lieu d'aller, je viens de sortir d'une semaine d'animation, ouais. C'est clair que j'aurais préféré redescendre en Savoie, aller faire du ski, me détendre, en plus il fait beau. Quand je vois mes potes qui m'envoient des super vidéos, ça, je me dis, c'est vrai que c'est beaucoup plus tentant. Bon, heureusement c'était avec toi, donc comme je t'apprécie beaucoup. Donc tu as choisi ça. Voilà, donc j'ai choisi. Mais je choisis aussi parce que ça participe à une ambition qui est la mienne. Donc voilà, aujourd'hui, comme je fais beaucoup d'animation en salle, eh bien, et que je veux développer d'autres produits, eh bien, ça suppose que j'aille me lever le matin, que je bosse, que je prépare mes vidéos, que je prépare mon contenu. Et puis voilà, donc ça demande de la discipline. Excellent. Pour en arriver là où je suis, il a fallu beaucoup de discipline. Aussi. Mais c'est vrai de tout le monde en fait, il n'y a pas un projet que vous réussissez s'il n'y a pas derrière une certaine discipline à avoir. Pour conclure, tu disais voilà, des petits pas, si tu avais un dernier message à transmettre justement pour intégrer cette notion de discipline, qu'est-ce que tu dirais ? Valoriser les petits pas et célébrer les réussites pour aiguiser ce muscle du plaisir à avancer. À l'effort en fait. Voilà. Et quand vous sentez qu'à un moment donné l'effort devient l'effort en fait, c'est de redonner du sens. Pourquoi j'ai décidé de m'engager dans ce processus. Je suis une formation depuis un certain temps. On a une petite traversée du désert, c'est normal. Ouais. Parce qu'au début, bah, faut donner de l'intérieur. Et puis, quand on donne de l'intérieur, les résultats ne sont pas immédiats. Il faut du temps pour que... Du coup, se reconnecter à cette vision. Voilà, donc, de rester connecté à la vision, à l'ambition et au sens que l'on donne du plaisir qu'on va trouver à satisfaire cette ambition. Excellent, Polo. Je te remercie beaucoup pour ton retour d'expérience par rapport à cette notion de discipline qui est passionnante, pour en dire beaucoup. Oui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Éventuellement, à redonner en feedback les 2-3 points qui vous ont marqué. Interpellé. S'il y a des choses justement que vous avez retenues, n'hésitez pas à nous les indiquer en commentaire. On se fera un plaisir aussi de vous répondre. Et merci encore à toi, Polo, pour ta présence. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Business et Spiritualité avec Paul Pironet. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.